maman. Moi la Byzance est à nous là-bas, là-bas maman. Aïe mon famille malagasé. Oui, moi les content. Moi la passe Gaïa maman, sommes autres. Le Gaïa, c'est un groupe de musique traditionnelle. Traditionnelle, mais à la fois aussi fusion. Parce que le Gaïa, comme nous dit pour la plupart de nous tous, c'est là, nous les des années 90. Les années 90, c'est-à-dire, nous aimons le Gaïa, mais nous aussi une jeunesse influencée par un peu toutes les sonorités, d'un sol, tout là. Gaïa veut dire être vaillant, être fort. Et le mot Gaïa, pour moi, c'est pas rien. Comment les font de là, c'est bon musicien là aussi. Parce que la plupart de nous, on est bonnes pieds de famille. Ayo, que ça vienne na pambala. Nana maloya bandé, nana maloya bandé. Oui, que ça vienne na pambala. Nous apprenons le maloya d'une certaine droiture. C'est-à-dire, nous voulons que notre maman, nous ça pas obligé, les autres. Mais nous aimerions aussi que notre maman ici prenne le chemin là. Parce que le maloya, quelque part, il a été comme un moment pour nous, c'est-à-dire un guide, pour pas que nous savons notre chemin, faire n'importe quoi, et tombe parfois dans la délinquance, ben, on a décidé de yem maloya là, comme un madame, comme une madame. Maloya nous, surtout, il vient aussi des rites de service cabaret, comme nous, dans la famille, l'habitude de faire ça, une fois dans l'année, c'est-à-dire, ben, c'est nous, en tant que musiciens, Mahama, il nous te joue avant. Et aujourd'hui, ben, nous l'a grandi, nous l'aimons ça. Et puis, ben, nous voudrions continuer ça. Et aussi, d'un jour de. Si bon Dieu n'a pitié, de prendre l'avion, de faire connaître ça. D'abord de l'océan Indien, après plus devant, plus loin que ça.